pitcher une mosaïque, c'est toujours très difficile. Mais on pourrait imaginer que c'est l'histoire de quatre minables, des laissés pour compte de la société, des sans-grades, des pauvres diables, qui, à un moment donné, flairent le coup du siècle, enfin, leur conception du coup du siècle. Et ils montent une arnaque à l'insu de leurs femmes, qui, elles, sont d'honnêtes travailleuses, qui se lèvent tous les matins pour aller à l'usine. Tout ça se passe bien jusqu'au jour où bien, les femmes sont menacées de licenciement et finalement risquent d'être à la maison et de découvrir le poteau rose. Ce qui est très intéressant, c'est que le spectateur ne va pas se demander s'ils vont réussir leur arnaque, mais jusqu'où ils vont s'enfoncer. Et c'est ça qui est marrant, je trouve. Voilà.